Eh bien bonjour YouTube et bienvenue à vous si vous êtes sur le live ou en rediffusion sur YouTube. On va continuer, comme vous le voyez, Get Even. Aujourd'hui, je vais peut-être mettre la cam un tout petit peu plus haut puisque j'ai remarqué qu'il y avait certains sous-titres qui étaient masqués. On va faire ça comme ça, bizarrement. On va continuer donc cette aventure. On a apparemment terminé la plus grosse moitié du jeu. On a eu un crash aussi et on a fait pas mal de recherches. Je vais juste faire le tour du proprio avant de lancer l'heure de gaming. On est actuellement à la 11e VOD. Nous avons récolté 100% des informations avec Black. Nous avons difficilement, mais j'ai réussi à trouver ce dernier morceau de papier avec le code qui s'affiche. Évidemment, juste là, on va aller le chercher et ensuite on ira continuer le scénario. J'avais oublié 4 morceaux de papier qui étaient apparemment assez faciles à trouver. C'est moi qui étais débile. Et le dernier était tout à la fin devant un mannequin. J'en ai ramassé un, mais j'ai pas ramassé l'autre. Et vous avez eu la toute petite séquence que j'ai remise sur YouTube, la 10.1. On va retourner. Et on va noter le code pour éviter de se faire avoir. C'est 4928. La porte secrète de mémoire est après. Je me suis rappelé, mais au moment où on croise le chapelier, donc ça, on le sait. Rose Atkins is dead. On va aller terminer ça. Et ensuite, on se refait The Offer. En espérant que le jeu crache pas. Et on voit ce que ça nous propose après. Je lance le timer. Parce que là, on est dedans. Donc on a pas mal d'infos, on n'a pas lu toutes les pièces à conviction. Je ne sais pas si on se fait ça ou pas, c'est un peu... En tout cas, on a ramassé pas mal d'infos. Hein. Mais comme je vous expliquais, des fois, il y a des choses en plus qui se mettent. J'essaie de passer, mais vu qu'on vient de lancer le jeu, il n'y aura peut-être pas ça. On peut relire les informations qu'on a trouvées pendant l'émission, les pièces à conviction, mais il y a des nouvelles pièces à conviction en fait, qui se rajoutent sur les tableaux en liège. Ce qui est plutôt, ce qui est plutôt cool pour... Pour apprendre pas mal de choses. Donc là, il va nous refaire son speech. On va tout refaire rapidement sans réfléchir, puisqu'on connaît par cœur. Et dès qu'on arrive au chapelier fou, on va pouvoir ouvrir la dernière porte. Les dernières informations avec le téléviseur. Understand, Mr. Black. The fact that Howard is mixed up in this at all is the only reason you are alive. Now, for the final time, proceed. Alors. Ouais, ça commence bien. Lui. Casser les genoux. Lui, on va le laisser tranquille. Le gaz. La pièce. Oui, on l'anticipe. Là, on ouvre la porte. Ça galère, mais vu que lui, il n'y a rien, on est bon. Alors? C'est là. De toute façon, il va nous attaquer. Voilà, c'est ça la porte. Alors, le code, c'est 4928. Ah oui, à savoir que ça sert à rien de tester mes codes si jamais... On va mettre n'importe quoi, je me suis gouré.
puisque les codes changent à chaque fois. 4, 9. Faut que vous ayez toutes les pièces à conviction pour avoir le bon code. Seul truc qui peut vous... Succès. Seul truc qui peut vous aider, c'est la localisation de ces portes. Débloquer tous les souvenirs secrets. C'est parti. Dernière pièce à conviction. Ah, Black. Do come in. Ramsey, you said you got something for me. Yes. Look, Black, take a seat, would you? I'll be with you in a few minutes. I just need to finish this memo. What's this? Dance of the Puppet Master? Not your usual kind of literature. Ah, yes. Lenore brought Grace in earlier. It's Grace's favorite book. There'll be tears before bed tonight. You can't sleep without it. Black, just give me a minute. Let's have a look. The party. Quick party for Puppet Man. The party is coming. The Puppet Man, the party. What bloody loony shite are you teaching her? I'm sorry? Grace, this book is nonsense. That? Oh, yes. Trust me, Black. You don't want to be reading that. You'll never get it out of your head. Now, don't worry about me. Just finish your memo. The party. Quick party for Puppet Man. The party is coming, the Puppet Man. Alors, c'est tout mélangé. C'est normal. Ok, donc là, on a réussi à tout finir et avoir une dernière pièce à conviction. On va refaire l'offre, puisqu'on a changé certaines informations. Je vais savoir un petit peu ce qu'il propose. Les bouteilles de bière. Ah, c'est la map. Un mail. Et ben, on va refaire The Offer puisque c'est la dernière, c'est le dernier souvenir en tout cas qu'on a avec Black. On va rejouer ce souvenir et on va aller jusqu'au bout voir un peu ce que ça donne, parce qu'en fait j'ai peur de cliquer sur continuer à l'intro sur le truc. On va regarder ça. The only question is why would you have any memory of meeting him? The only memory I have of Roger Howard is the night I stole the corner gun. We'll see, Mr. Black. We'll see. C'est parti. This memory looks to be unstable. Disrupt it as little as possible, Black. Don't go in all guns blazing. On connaît la map, on sait pas où passer. Passer vers le pont. Celui-là regarde en face de nous. Il y a lui qui est là. J'aime bien, je pourrais garder que le téléphone. Ah non, mais après j'ai le corner gun qui peut m'aider. Voilà. J'avance assez vite pour être en sécurité.
this is a joke, you're all getting a pay cut. Ok. You're hiding something from me, Black. And I will find out what. I'm not hiding anything. You still take me for a fool. Look how many mercenaries there are, Black. A memory will only seek to protect itself in this manner if its owner doesn't want it to be examined. On va tester, j'ai rajouté un truc sur le live aussi, à la demande de Sakiel. Le système de Pokémon. Voir si ça marche bien. Alors, je vais passer là. D'accord. Là, il y a plein de types. On va repasser dans l'eau. J'étais passé par là la dernière fois. Parfait. Passe là, c'est parfait. Bah ouais. Mon perso était bloqué. Mais ouais, mais nique ta mère, mon perso était bloqué dans le décor aussi. Putain, ça saoule. Ça non, je suis pas d'accord. J'ai obligé de me lever. Évidemment que je me fais repérer. Il s'est bloqué dans un caillou, ce connard. Vas-y, ça casse les couilles là. On va me faire descendre toutes les 30 secondes, je veux finir le jeu. Comment il sait ? Oh vas-y, j'en ai marre. Tout à l'heure, la dernière fois, je passe sans encombre et lui, là, évidemment, c'est le festival.
C'est bon. Oh, je peux me faire avoir par le jeu. Bon, on n'a plus rien à chercher, hein. On peut juste trouver des endroits pour passer. On peut passer que là-bas à gauche. C'est parti. On aura tenté de passer ailleurs, hein, mais bon. Ouais, je suis un bouffouf. Je suis un gros bouff. Quelqu'un qui me dit on est d'humeur vengeresse. Ah voilà. J'ai la map au plus loin. Là-bas, on a des types. Mince. Je suis obligé de faire tour ici, j'avais pas prévu ça. Mais à aucun moment je passe là. La dernière fois. Tu vas pas me dire qu'il va faire le tour dans le bâtiment ce bouffon là. Pour moi. Bon, on va se faire tuer pour voir ce que ça fait si on se fait pas toucher, enfin pas repérer. J'aimerais bien finir sans me faire repérer. Heureusement on a la sauvegarde avant. Bah alors attends, la dernière fois j'ai quand même passé par la gauche tranquillement. Ah, que je comprends pas. Est-ce qu'on peut éviter de se bloquer contre les cailloux? Oui, merci. Allez. J'en ai marre de me bloquer contre tout ce qui existe. Passer par là. Hein. Chance. On va pouvoir repasser par par là. La dernière fois j'étais passé par là, donc il y a pas de raison que ça repasse pas. Un petit peu hésité ici
Au final, il n'y avait pas plus de raison que ça. On va passer par la droite. Pourquoi il y a un type tout seul là-bas ? Coucou, oui, tu m'as demandé, je l'ai mis. Il cache rien ce gros bouffon, il est juste là pour rien du tout. Mais... normalement on est bon là. Ouais. Sans se faire repérer. Ah, succès. Guerrier fantôme. Atteignez le point de rendez-vous dans les marais sans déclencher d'alarme. Allez. Bon. Doudou, je te conseille de pas rester. C'est la fin de la première partie. Let me see. When I stole the corner gun. Ah, yes. When you stole my corner gun for Robert Ramsey. Ah, je me suis mis bien comme il faut. Just have killed you on the spot. I'd feel so much better out of it. Pour les sous-titres. Oh, let's go, Nono. Pourquoi Nono? Ça recommence, hein? No God. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton raid. Et bienvenue à toutes et à tous. C'est très gentil. Installez-vous, on est sur du jeu narratif. Ça, on connaît déjà, donc on peut discuter. Merci beaucoup, installez-vous, bienvenue. Baldur Gate. Why would I work for you? Okay. Every man has his price, Slack. Especially you. I'm paid well. Yes, but not as well as you'd like to be. Not as well as you could be. It's not about the money. That old chestnut. Chaque fois. And how about this? According to my sources, Ramsey has a surprisingly accurate record of your criminal history, far more so than the police. Seems to me he's got you over a bit of a barrel. Work for him or go to prison, the way I see it, Mr. Black. You're his bitch. You sound jealous. Eh ben. Parlez à Doc, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi dans la Cell Team. Eh ben écoute, ça va, No God, tranquillement. C'est couché un peu tard, là ça repart un petit peu comme il faut. J'aurais peut-être dû couper ça. C'est un jeu qui est sorti en 2017. Ah non, je suis encore trop pour les pour certains sous-titres. I devise a plan to get Ramsey's Pandora device, and you carry it out. You name your price within reason, and if you're successful, I'll forget about the whole corner gun fiasco and we'll. Ah oui, c'est vrai qu'il devait voler apparemment le. If I refuse, you're alive. C'est une histoire de complot entre entreprises en fait, et toi t'es un peu au milieu de tout ça, et tu utilises un système qui te permet de revivre des souvenirs, parce que ton personnage a perdu la mémoire. On a revécu des souvenirs, trouvé des pièces à conviction, essayé de lier un peu l'histoire, savoir qui fait quoi, qui est dans quelle affaire.
Il y a affaire de terrorisme, de kidnapping. Il y a pas mal de choses, c'est super prenant. Et là, on a l'épisode 11 aujourd'hui. Et on a, je pense, terminé la moitié, une grosse partie en tout cas du jeu. Ah oui, donc ça servait à rien. On n'a pas la phase finale dans la machine. Intéressant. Alors, il va falloir retourner au menu principal. Bon, en tout cas, on a eu un succès supplémentaire. Et il faut qu'on continue ici, parce qu'on a débloqué une nouvelle partie. Alors, comment ils vont nous introduire ça? Est-ce qu'il y a les résultats de la partie précédente? Audit phase complete. Cerebral link, patient number black 001. Pandora unit terminal disconnect. Would you like to commence archive data review, Dr. Ramsey? Yes. Switch to Savant unit playback. Begin the review. Oh, and Hope, could you also fire up the coffee machine? Doctor, prior to review, my medical recommendation would be the implementation of a minimum 4-hour rest period. Further caffeine intake will only delay fatigue, not arrest it. Then make it a double shot. 3 sugars. I also need a baseline memory to carry out the review. Which was the most stable from those recorded? That would be this. Cached on initial Pandora system startup of patient black 001. Good. Then let us explore a complete memory before we review the broken. Proceed with interactive playback. Unité mémorial FDG 003, Pandore Savant, Dr. Robert Ramsey. Donc en gros, le gars, il a créé ce casque de réalité virtuelle. Là, on a joué Black, qui est ici, de ce qu'on a compris à la finalité. Parce que de ce que j'ai capté, il y a un moment dans l'histoire, ils discutent et elle... Il y a un des protagonistes qui dit qu'en gros, il y a une bombe qui lui a pété à la gueule. Et qu'en gros, il n'y a que son cerveau qui est intact. Et je pense qu'il l'a kidnappé plus ou moins, il l'a enlevé pour fouiller dans sa mémoire, ce qu'on vient de faire. Voilà, on a pas mal de documents à choper à droite à gauche. Le cerveau est la structure la plus complexe de l'univers et cette structure est basée sur des souvenirs. Robert Ramsey. Au départ conçu pour la lecture seule, le prototype initial de l'unité Pandore a permis à son utilisateur de visualiser les souvenirs de n'importe qui. J'ai eu mal à parler. Pourtant, cette fonction de lecture a très vite révélé ses défauts, notamment à cause de la phase... Voilà. La fiabilité des souvenirs humains. Pendant très longtemps, les recherches sur la mémoire sont parties du principe que nos esprits fonctionnaient comme des albums photos. Tout ce dont nous avons besoin pour nous rappeler quelque chose, c'est d'accéder mentalement au bon album et de visualiser un des clichés souvenirs qui s'y trouvent. Cependant, les recherches les plus récentes ont démontré que c'était faux. En vérité, lorsqu'on se souvient de quelque chose, on se rappelle la dernière fois dont on s'en est souvenu, et non pas de l'événement qui a provoqué ce souvenir. En d'autres termes, plutôt qu'un album photo, la structure de notre cerveau rassemble davantage un système de dossiers et de sous-dossiers d'ordinateur. À chaque fois que l'on se remémore un souvenir, on ouvre le fichier, on en fait des modifications, on sauvegarde, on le laisse là pour qu'on puisse s'en rappeler pour une prochaine fois. Pas mal. Fonctionnement. À chaque fois que l'on se remémore un souvenir, celui d'origine est écrasé et remplacé par des petites différences subtiles. Avec l'unité Pandore, cela a très rapidement posé problème en termes de fiabilité. Car si celui qui a vécu le souvenir n'est lui-même pas certain de ce qu'il a vu, comment un utilisateur peut-il aspirer à trouver la vérité dans cette analyse? Cet obstacle a conduit l'équipe de recherche à produire un deuxième prototype, l'enregistreur baptisé Savant, ainsi qu'à créer un prototype d'examen et contrôle. Enregistreur Savant. L'introduction de l'enregistreur Savant a été une avance majeure dans le cadre du projet Pandore. Tandis que l'unité Pandore permet de lire les souvenirs via une simulation par stimulation électrique des sentiers synaptiques, l'unité Savante capture et enregistre les souvenirs pour une exploration et une enquête ultérieure menée par un utilisateur impartial.
L'ajout de l'enregistreur savant à l'appareil déjà existant s'est soldé par le changement du nom de code du projet en cours, rebaptisé Pandore Savant. D'accord, donc il y a deux systèmes en un. Enlèvement de Grace, inspecté. Là, on a des fichiers fermés. On a lu ça, on n'a pas lu ça. Enveloppe, développement et objectif. Alors, la question n'est pas a-t-on de faux souvenirs, la question est jusqu'où nos souvenirs sont-ils faux. Conçu par le docteur Ramsey pour Future Defense Group, c'est une des deux boîtes en fait qui se fait concurrence, que je vous disais tout à l'heure. L'unité Pandore est une technologie de pointe pour mener à bien des interrogatoires. Elle en est actuellement à son deuxième prototype. Visant à tout prix à répondre aux différents défis que représente l'armée et la sécurité intérieure, l'unité Pandore sonde les souvenirs des victimes civiles et d'éventuels agents en cellules dormantes, afin de rassembler des preuves et d'obtenir des réponses pour lutter efficacement contre la menace terroriste planant sur le monde actuel. Il s'agit d'une solution contemporaine et humaine aux problèmes contemporains et inhumains qui gangrènent notre société. À l'intérieur et en dehors de nos frontières, il semble que cette technologie permettra de réduire drastiquement le nombre de pertes civiles en temps de guerre et d'empêcher toute erreur d'identité lors du traitement d'individus suspectés de terrorisme, ces dernières étant bien trop fréquentes avec l'utilisation de drones aériens puisqu'ils ne sont pas encore capables d'effectuer des reconnaissances faciales exactes. Et on a fait le tour du bled là, hein. Je crois qu'il n'y a plus rien. Ah non, on a deux dossiers ici, peut-être. Oui, tout à fait. Problème actuel avec la technologie. Le prototype Pandore Savant, bien que très avancé dans sa première phase, souffre encore de quelques défauts gênants auxquels il faudra forcément remédier. L'anomalie, aussi appelée syndrome du bout de la langue, elle est un effet secondaire qui apparaît chez certains sujets interagissant avec l'unité Pandore Savant. Cet effet prend la forme d'une légère amnésie pour certains, avec l'impossibilité de se souvenir de contexte ou de détails pour un souvenir en particulier. Le sujet comprend inconsciemment qu'un souvenir exploré est important, mais il ne peut pas consciemment comprendre pourquoi. Oula, pardon. Ce phénomène renforce la nécessité d'une étape de contrôle qui tend à l'atténuer. Il est communément admis que l'oubli fait partie des mécanismes de défense du cerveau pour empêcher les hommes de trop s'attarder sur un événement ou de revivre une expérience traumatique. Il se peut donc qu'il s'agisse d'une réaction naturelle de rejet de la technologie Pandore par le cerveau humain. L'influence synaptique, défaut de la technologie qui peut se produire lors de la phase d'examen. L'esprit du sujet qui est exploré et celui de l'utilisateur qui observe se retrouvent tous deux projetés dans l'unité Pandore Savant. Il arrive que les souvenirs de l'utilisateur se confondent à ceux du sujet et se superposent entre eux, créant ainsi des visions étranges pour le sujet. Ce phénomène attend toujours d'être corrigé. Même si l'influence synaptique peut être arrangée durant la phase de contrôle, cette circulation à double sens est très dérangeante et malheureusement inévitable dans la version actuelle de l'appareil. Ah, c'est ce qu'on a eu. Alors, problème de la technologie. L'accès contrôlé aux souvenirs. La phase d'examen étant très restreinte, l'utilisateur doit guider la conscience sauvage du sujet dans son propre souvenir. L'esprit du sujet ne répondra qu'au souvenir qu'il a lui-même choisi. Cela signifie que l'utilisateur doit minutieusement guider le sujet vers des souvenirs que l'utilisateur veut explorer. C'est ici que résout toute la complexité de son rôle. Généralement, l'utilisateur s'appuie sur un objet bien spécial visant à stimuler certains souvenirs, comme une photographie ou un article de journal. L'expérience croyante involontaire. Effets secondaires et rédhibitoires qui peuvent être considérés comme de graves dommages collatéraux sur la santé mentale. Certains sujets moins solides psychologiquement ont montré des signes d'euphorie, d'illumination, de fulguration. Certains ont même fait naître une obsession, celle d'être observé en permanence par une entité mystérieuse qui jugerait leurs faits et gestes. Bien que ces désagréments soient tous explicables par l'utilisation de l'unité Pandore, il s'agit également de l'ossature d'une conversation religieuse pure et dure dans le monde réel. À l'heure qu'il est, certains des sujets touchés peuvent sombrer dans une étrange spirale de comportements superstitieux et obsessionnels, tandis que d'autres semblent vouloir s'abandonner corps et âme à une entité divine mystérieuse. Ouais, ça fout un peu le bordel dans le cerveau, en fait. Donc ça... En gros, nous, pour schématiser, on a joué avec Blake, et le personnage qu'on joue maintenant, Red... Il a simulé une fausse un faux asile et nous a dirigé dans plein de souvenirs
pour que on puisse comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Fonctionnement. Pour pallier les défauts intrinsèques de la mémoire humaine, l'utilisation de l'unité Pandore Savant se divise en deux étapes, l'examen et le contrôle. Pendant la phase d'examen, l'utilisateur est chargé de discrètement guider la conscience du sujet, lui indiquant les voies à explorer librement. Les paradigmes, les détails et les structures de tel ou tel souvenir. En partant du principe que les bases du souvenir sont exactes, mais que les détails sont discutables, l'utilisateur enregistre les souvenirs du sujet grâce à l'unité savant. Ils resteront disponibles pour une utilisation ultérieure. Tout au long de la phase d'examen, l'utilisateur doit rester le plus impartial possible, de ne pas influencer le sujet et laisser sa conscience explorer librement les souvenirs non corrompus en limitant au maximum les conseils ou suggestions. À ce stade, anomalie et incohérence, la vache, sont attendues, mais la phase d'examen sert uniquement à collecter les informations. Revenir à plusieurs reprises au même souvenir est fortement conseillé, car l'exploration en profondeur d'un sentier synaptique permet de rassembler un plus grand nombre de preuves pour l'analyse. La phase de contrôle est réalisée uniquement par l'utilisateur. Il n'a pas besoin d'un sujet équipé d'une unité Pandore, si tant est que la phase d'examen ait été menée à bien. Une fois que les souvenirs voulus ont été exportés correctement par le sujet et enregistrés par Savant, l'utilisateur peut accéder une nouvelle fois à ses souvenirs. Ah oui, donc une fois qu'il a revécu, c'est ce qu'on a fait nous plusieurs fois, il a les souvenirs et il peut les feuilleter. À l'intérieur du souvenir, et grâce au savant mélange de l'algorithme complexe basé sur la pyramide des besoins de Maslow, de sentiers comportementaux à faible résistance, de conséquences sur le monde réel et observations impartiales, l'utilisateur peut évaluer l'issue la plus probable d'un souvenir stocké. Cette phase de contrôle neutralise les incohérences présentes dans le souvenir du sujet, efface toutes les anomalies au sein du rappel synaptique et permet à l'utilisateur expérimenté d'extraire la vérité de n'importe quel souvenir avec un taux de réussite avoisinant les 90%. Pau mal. Donc en gros, de l'histoire qu'on a, c'est Blake, un ancien militaire qui est passé mercenaire, a été embauché par Ramsey pour voler une technologie qui est un flingue. Ensuite, il y a la fille qui s'est fait kidnapper. Elle s'est fait tuer. Lui, il a subi une explosion dans la tronche. Il s'est fait récupérer par Red. Red, c'est Ramsey, je crois. Ramsey, si j'ai pas de conneries. Et il l'a gardé ici en vie pour fouiller ses souvenirs. Alors, nom du fichier, enlèvement de Grace. Continuez, non. Continuez, oui. Ok. C'est parti. On n'a pas bu de café. Commencing data review imminently. Decoding memory cache and savant playback. Binary filters online. Servers currently running at optimal speed. Inputting biorhythmic feedback parameters. Deep insulin injection in 3, 2, 1. You are ready to go, Dr. Ramsey. Stay away from me. Stay away. Ooh. It's okay. I'm your friend. Did my dad send you? Oh, on va refaire. What? Trop bien. Donc là, on joue en tant que. Okay, I'm in. Commencing review. Now, where is? J'ai pas de téléphone. Ressources informatiques savant. J'ai pas de lumière non plus. Vous pouvez utiliser le sonar en appuyant sur. Ok, ça se recharge au fil du temps. Faut pas que je me fasse repérer, je suppose. C'est pareil que ce que je reviens à souvenir. Si vous êtes assez près, vous pouvez assimiler un ennemi en appuyant sur A. Ok, l'autre avait un flingue et moi j'ai quoi? Assimilation parameters stable, Dr. Ramsey. You are free to continue with the review. Si vous faites repérer, les ennemis réapparaîtront jusqu'à ce que vous arriviez au souvenir suivant.
Donc, je reste Ramsey, sauf que j'ai assimilé un type. Oh, pouah. C'est Inception le bordel, hein. Je vais voir ce qu'il y a ici, parce que là, normalement, c'est une porte secrète dans le souvenir de Black. Donc, on peut pas y aller. Il y a un Pokémon qui est apparu. Crumps. On n'a rien. La musique est magnifique. Here we are. Pour débloquer une nouvelle zone, déclencher des engrammes en maintenant. Warping script active, Dr. Ramsey. Good. Okay, let's follow the trail. See what really happened. Save the girl. Oh, on voit vraiment ce qui s'est passé. Cool, ça, ça va être une sacrée conclusion au jeu. Par contre, il y a grave du monde là. Téléportez-vous vers une empreinte mémorielle en appuyant sur A. Ok. On a une empreinte mémorielle jaune, c'est pour stepper. N'oubliez pas d'observer votre environnement avec le sonar. Oui, monsieur. Quand vous vous téléportez vers une empreinte, vous devenez temporairement invisible. Profitez-en. This is where they held her. Oh, Chris. Careful, Dr. Ramsey. Control. Ah, là, je suis en train de revivre les souvenirs de Blake avec toutes les informations que j'ai chopées. You know, Hope, this is really quite satisfying. Doctor, might I remind you to control your emotional engagement while conducting the review? Any spikes in serotonin, dopamine or adrenaline levels could... I know, cause distortion. Noted. Thank oui, you, Hope. Le docteur Ramsey, donc Reed, a eu sa fille qui a été kidnappée parce que le groupe adverse de l'entreprise voulait lui voler la technologie Pandore. Toi, t'as été engagé par le personnage qu'on joue pour voler en fait une technologie dans une autre entreprise qui est le Corner Gun, le flingue que vous aviez vu tout à l'heure avec le téléphone portable et le coin. En fait, en faisant le vol dans l'autre entreprise, l'entreprise s'est complètement écrasée, s'est complètement effondrée et son créateur est devenu plus rien du tout. Et en fait, les deux gestionnaires, lui Ramsey et l'autre qu'on a vu tout à l'heure qui parlait, le chauve là dans le souvenir, ils se connaissent un peu, on a eu des souvenirs où ils étaient ensemble. Et en fait, toi, en volant pour de l'argent dans une entreprise, t'as déclenché le kidnapping de Ramsey, enfin de la fille de Ramsey. T'as apparemment été embauché pour lui, mais on sait pas pourquoi, alors qu'à la base, t'étais pas trop censé bosser pour lui. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses. C'est assez bien fait, et la narration est vraiment chouette. Ok, on a encore des types en bas, mais on connaît la route. There seems to be a lot of resistance here, Hope. I wonder, was this a result of Black trying to hide something? Or from the Pandora itself? Yes, Dr. Ramsey. Black perceived threat here, which has bled across from the audit. Nothing I can do. Makes it more difficult. I'm not trained like Black was. No matter. Ok, donc en gros, il explique aussi que le fait qu'il y ait des personnages supplémentaires dans les souvenirs qui n'y étaient pas avant. Ah, c'est Black alors qu'à la base c'était pas Black. Hein. C'était lui sur la photo normalement. Et le mec s'entraîne à outir sur lui.
Et c'est le fait que le cerveau comble des souvenirs. Ce qu'on disait avec ça que la dernière fois, c'est un vrai truc. Le cerveau comble les souvenirs automatiquement. Et en fait, c'est ce qu'ils mettent en place dans le jeu. Putain, la musique, elle est vraiment bien. On a quelqu'un derrière. La suite du souvenir est là-bas. On n'a pas de carte, je vous le rappelle, alors que dans l'autre, on avait une carte. Est-ce qu'on peut passer par là avec lui? Non, on va vraiment suivre le souvenir de... Peut-être par là. Non. On suit vraiment le souvenir trait pour trait. Lui, il a le téléphone à la base. Non, c'est celui qui est là-bas. Flûte. C'est bon. Si je suis assez près, on peut l'assimiler, c'est ultra pratique. Par contre, il me faut que mon unité savant soit chargée. Alors attendez, on va attendre un peu. Oh God. Voilà. Là, c'est là où sa fille s'est fait attraper. Elle avait une bombe sur elle, voilà. Cette bombe-là. Pourquoi je tourne la tête alors je peux tourner la caméra? Et on va savoir ce qui s'est passé. Il y a le détonateur, non? My poor child. I will fix all this. I promise. Emotional spike detected. Caution advised, Dr. Ramsay. I will get to the bottom of this, and whoever is responsible will pay. Oula, oula, par contre, c'est lui, il est... Bah oui. Je pensais que c'est ta fille, mais... Dr. Ramsay. Voilà, c'est parti. Dr. Ramsay. Succès. Intraçable. Infiltrer un souvenir sans déclencher de mécanisme de défense. Avec Blake, on a revécu son premier souvenir, mais en fait, tout ce qui s'est passé après comme souvenir, après la bombe, c'était après l'espèce de réception de Grace. Where am I? Oh putain. What happened to the Pandora? Bah, en fait, c'est les souvenirs de Ramsay. On est chez ADS, là. Chez FDG. You are outside the code, Doctor. I would recommend caution. The data is unstable, fragmented. You must remain calm or you risk... Don't tell me the risks, Hope. Just get me out. Now, let's see where we are. Ok, donc là on est dans l'entreprise FDG. Il y a deux entreprises en fait. Il y a ADS qui vend des armes militaires et FDG qui est aussi une entreprise. Donc c'est ces deux entreprises qui sont en concurrence avec ces deux grands hommes. Et en fait tout a démarré par Blake. J'essaie de reconstituer les infos en même temps. Tout a démarré par Blake qui vole chez ADS, donc ici, le corner gun à... J'ai bouffé son nom au type. C'est pas le docteur Ramsay, c'est un autre. J'ai oublié son nom. Hop là, sixième étage. Lui il utilise sa propre technologie, sauf que vu qu'il est émotionnellement touché, vu que sa fille est morte... Et bien là, on a eu un souci technique et on se retrouve dans des, comme elle dit, off-grid, en dehors du souvenir dans lequel on a commencé à chercher. C'est super bien fait en tout cas. Comme ça qu'elle disait, c'est un peu Inception avec la pancine de Harry Potter. Oh, I know this place. Et c'est l'hôpital. Neurologie. Rose, this is an FDG facility, my facility, staffed by the best doctors money can buy. There is no better care. I'm not talking about that. You don't need doctors, Rob. You need a fucking mortician. Oh God, this is such a mess. Rose, just breathe. I need you together. I need you with me. Ah, je comprends. Oh no, this is that memory. Doctor, your vitals are reading as erratic.
You must calm down or you risk full mental fracture. Too late. Hope, get me out of here. I'm trying, Doctor. Just a little longer. Come on, come on, come on! Oh merde! Pardon. J'ai pas... Excusez. Je pense qu'il a récupéré Grace et Blake morts. Ou en tout cas pas en état de faire quoi que ce soit. Et bah là, Blake a été littéralement utilisé avec son cerveau cassé. Il a fouillé ses souvenirs contre son gré. Pour avoir des réponses de qui est l'auteur de la mort de sa fille, parce qu'il pense qu'à ça. En fait, il a abandonné sa famille pour créer le Pandore dans le scénario. On sait qu'il a délaissé sa famille pour ça. Et là, bah, pour le coup, il s'en veut et maintenant c'est trop tard. Too late. Hope, get me out of here. I'm trying, Doctor. Just a little longer. Come on, come on, come on! Where am I? Oh. Doctor, try reconstructing the memory. Look for and interact with any memory imprints. It will allow me to pinpoint and remove you. I'm trying, Hope. I really am. Just seeing this again is difficult for me. Ça c'est Blake. C'est Black, pourquoi Blake? Mais attends, il y a 30 secondes, c'était pas lui. Si je me téléporte ici. Ah, regardez, c'est dans l'asile, c'est le faux souvenir. Je peux aller là ou là. Ok. Donc lui, il est sur un lit d'hôpital, incapable de bouger, Black. Embauché par Ramsey. On va aller se téléporter là. Et on est à l'hôpital. Bordel. Enfin, l'asile psychiatrique qu'il a créé pour contenir les souvenirs de Blake. Pas Blake. Pour contenir les souvenirs de Black. Donc là, on n'est même pas dans son souvenir. C'est fou, ça, par contre. C'est très bien monté. La réalité et son truc se... Ah. Some fragmentation. But we also suspect gastrointestinal injuries too. Nasty. Ah, c'est ouvert. Ça j'étais pas avant. Transplant. Oula. Parce que Black a reçu un organe de Grace. Ouf. Retour à l'homme. Why were you there, Mr. Black? I need to know. I need your memories. This music should stimulate your recall, lad. It's Grace. My Grace, playing the violin. You used to hear it in my office. Remember, Black? What did you do? C'est ce que je dis. Il l'utilise contre son gré. Bon. C'est le même panel qu'il y a avant de rentrer chez dans l'entreprise ADS. Thank you, Hope. I thought as much. Feels like the Savant and I are beginning to synchronize finally.
Looks like this one's being transferred. He's not particularly stable. Are you sure that's wise? This comes right from the top. We're to transfer him to a private medical facility. Voilà. That's unorthodox. Who is he? Oh, on commence à voir les pièces. Ça qui a lien Pokémon, c'est maintenant. Je te le laisse. Fermé. Oh, on a... Ça fait vieux et quand on avance, c'est tout remis à neuf. C'est assez stylé. C'est toujours la même chambre hein, qu'on a en boucle. Encore ma chambre. Enfin ma chambre, la chambre de Black. C'est marrant, on n'a aucun document là. Fermé. Black est encore là, toujours pas transféré, toujours vivant. Ah. Bougie. Bougie. Ah, il faut éteindre. C'est tous les souvenirs. La voiture. Ah, personne ne l'a attrapé. Un doudou. Et là. Ça y est, je viens de capter. Il faut que ça corresponde au... au reflet. La bougie est là. Looks like I can proceed now. I need to get out of the loop. You're ready as you can be, Mr. Black. We'll be moving you tomorrow, okay? Just where is he being transferred exactly? All we've been told is he'll be picked up in a private ambulance tomorrow morning. What about the girl? Oh, there's nothing we can do, I'm afraid. That poor, poor girl. I did everything I could. There was nothing more I could... C'est parti. Une petite révélation là. Emergency care, et de l'autre côté, il y a quoi? On peut choisir? Ah, c'est chiant. On va aller là-bas. Sois attentif. Si je vais là, je fais demi-tour. Intéressant, je vais aller voir volontairement là. C'est tous les patients qui ont un truc Pandore. Ok. Intéressant. Ça veut dire que si je fais demi-tour à gauche, je vais me heurter à rien du tout parce que ça me bloque le chemin. Bon bah j'y vais, ok. Ah, il revient un souvenir comme Black. Ah non, c'est Black. Ok, well, he's all theirs, I suppose. Are you sure about this? He's in no fit state to travel. Like I said, out of our hands. Everything's in place for the transfer. We're just waiting on the ambulance. This all seems a little drastic, Robert.
Are you sure this is the best decision? He'll be safe in my care. I need to get to the bottom of what happened. Sure. I think what you need is sleep. Especially after Grace. Do not talk to me about Grace. I won't tell you again. Grace. My poor Grace. One moment, Dr. Ramsay. Your signal is much clearer now. Pulling you out. Ben voilà. Succès. Souvenir douloureux. Rappelez-vous les conséquences du kidnapping. Dr. Ramsay. Do you wish to proceed? Yes, Hope. Apologies. How many problem memories did I bookmark in the audit? 3 problem memories were bookmarked. And they're all significantly corrupted? Yes, Dr. Ramsay. We should have sufficient data to make sense of them when reviewed. Let's review in the same order we audited, Hope. Load the first bookmark. Loading. Voulez-vous revivre un souvenir? Non. Mais écoutez, vu que c'est la fin, on peut pas boire du café? Je vais vous proposer d'arrêter le let's play ici. Et on relance une heure. Pour le coup. On peut revivre les souvenirs. On n'a pas de tableau en liège avec lui, on n'a rien. Donc je sais pas s'il y a des petits bonus à choper à droite à gauche ou c'est que... J'ai refait un tour quand même. Ou si c'est que full révélation du jeu. On va s'arrêter ici pour cette VOD, puis je vais relancer une heure. Bon bah écoutez YouTube, merci d'avoir regardé cette VOD avec nous. J'espère que ça vous aura plu. On va continuer nous une heure sur Twitch. Je vais faire une toute petite coupure pour la VOD. On revient dans quelques instants. Ne bougez pas, n'hésitez pas à lâcher un petit follow sur la chaîne YouTube ou Twitch si vous regardez cette vidéo en rediffusion. Vous avez les informations dans la description avec un seul lien où tout est dispo. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous dis encore une fois merci, je vais éviter de taper dans mon micro. Et je vous dis à tout de suite YouTube, pour vous, bah YouTube plutôt, pardon, demain ou après-demain parce que j'essaie de faire un jeu sur deux. Un jour sur deux, pas un jeu sur deux. Et puis bisous quoi, je veux dire à tout de suite Twitch.